Alors, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu des compétences et des talents. Donc, on va aller voir les miens. Je pense que si vous avez de l'argent à dépenser, je vous fais voir les miens. Vous allez pouvoir mettre les mêmes et vous allez voir que votre façon de jouer va s'améliorer. C'est obligé. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis du temps à trouver, j'ai dépensé de l'argent, mais au final, j'ai un bon jeu maintenant qui tourne super bien. Donc, Pister, j'ai pris celui-ci pour débloquer le deuxième niveau. Alors, celui-ci, c'est localisation de traces. Après, vous avez connaissance des traces. Il vous révèle les informations sur le sexe de l'animal, révèle les informations sur la taille approximative, et révèle des informations sur le poids approximatif de l'animal. Donc cela, franchement, c'est indispensable, vous allez voir. Si vous ne les avez pas encore mis, prenez-les. Après, j'ai ça aussi qui augmente la santé. Ça, c'est les prédictions météo, mais c'était juste histoire de passer au niveau 3. Des fois, on est obligé de prendre plus. Alors ça c'est super bien, pied léger, vous allez faire carrément moins de bruit quand vous vous déplacerez, végétation, etc. Connexion des points à chaque fois que vous... Ok, en fait quand vous sélectionnez des traces par terre, ça vous donne la direction, quoi. C'est un truc assez basique. Ça, c'est quoi chaque niveau? Fait diminuer la taille de l'indicateur. Voilà, quand l'animal fait un cri, il se réduit au maximum pour voir la direction d'où il est, quoi. Alors, affût, vous devenez encore moins visible. Ok, ça, c'est vous êtes moins visible encore dans les buissons. L'endurance, du coup, on peut courir un peu plus vite. Quoi, un peu plus vite? On a un peu plus d'endurance, du coup, quand vous allez viser après. Normalement. Alors, c'est quoi? Et retombe... Non, en fait, vous récupérez plus vite votre cardio. Celle-ci, végétation abîmée, je la trouve super bien. Celle-ci, elle vous révèle quel type de fourrure a l'animal, en fait. Donc ça, c'est indispensable. Et celui-ci débloque la capacité de faire s'arrêter l'animal. Ouais, voilà, en fait, vous pouvez siffler. Ça crée un cri, je crois. Donc voilà. Ceci, c'est pour les pistères. Les trackers, ça va être rapide. J'en ai mis que 5, moi, vu que ma priorité, elle est sur les autres. Donc là, j'ai l'artiste de la Dora. C'est quoi, augmente? Nanana. Ouais, ceux-là, après, moi, je suis pas vraiment fan. C'est juste, ça augmente la portée des leurres olfactives, tout ça. Connaissance du repérage. Sur la santé, ouais, celle-ci est super bien aussi. Alors, ça vous révèle des informations sur la santé approximative de l'animal. Révèle des informations sur l'évaluation du trophée. C'est important, tout ça. Et révèle des informations sur la conscience. Voilà, si l'animal est plutôt agité ou des choses comme ça va vous le dire. Alors ça, c'est d'argent, fait pas le bonheur. Fait le bonheur plutôt. Ça augmente de 5%. C'est rien du tout. L'attraction mortelle. Alors augmente les chances d'attirer l'animal. Ah ouais, donc en fait, quand vous avez un autre appât, ça. Vous pouvez l'utiliser pour un autre animal, un peu. Ça augmente les chances d'attirer des autres animaux, en fait. Donc voilà pour le tracker. Honnêtement, faites ça et vous verrez que c'est idéal, en fait. Moi, personnellement, ça m'a changé. Au début, je savais pas lesquels choisir, et au final, j'ai trouvé cela. Et franchement, il n'y a rien à dire. Essayez, vous verrez. Après, les points de talent, c'est autre chose. J'ai pas mis 6 partout parce que moi j'ai mis 6 sur la carabine. J'utilise souvent la carabine, donc
C'était normal que j'ai tout. En fait, carabine, je les ai tous. Arme de poing, moi, j'utilise rarement, donc voilà, j'en ai mis que 4. J'ai les 4 premiers. Le fusil, bah rien du tout, parce que le fusil, c'est très rare, à part pour le canard, des choses comme ça. Moi, je suis pas fan personnellement. Et l'archerie, beaucoup plus déjà. Parce que j'aime bien tirer à l'arc, mais je les ai pas tous non plus. Du coup, j'ai pris celui-ci, l'endurance, j'ai pris le tir mobile, recyclage, musculation. Donc voilà, c'est en haut, ça servait à rien, de toute façon, c'est une seule ligne droite que qu'importe quoi. Donc voilà. Donc franchement, n'hésitez pas, les compétences, c'est les plus importantes. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Après, je vous ai fait voir les talents, mais c'est sans plus d'intérêt. Donc, essayez cela, vous me direz en commentaire si vous avez vraiment aimé. N'hésitez surtout pas, hein. Et puis n'hésitez pas à liker surtout la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche si la vidéo vous a plu. Il y en aura d'autres et il y en a déjà eu. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour vos avis en fait, vos avis de quand vous aurez essayé. Ok? Bon, allez, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao!